Le président vietnamien est décédé. Le président vietnamien Tran Đại Quang est décédé ce vendredi, selon un média d'État. Depuis 2017, il souffrait d'une grave maladie. Le président vietnamien Tran Đại Quang, âgé de 61 ans, est décédé ce vendredi, informe la radio d'État du pays. Le média a précisé que le dirigeant était « mort des suites d'une grave maladie en dépit des efforts fournis par des médecins locaux et internationaux ». Tran Đại Quang était le président du pays depuis avril 2016. Auparavant, il avait dirigé le ministère de la Sécurité publique, il était également l'un des hommes clés au sein du bureau politique du Parti communiste du Vietnam, véritable centre du pouvoir du pays. Le mois prochain, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale vietnamienne doit être convoquée afin d'élire un nouveau président.